pourquoi appelle-t-on les joueurs du PSG les rois? Parce qu'au PSG, il n'y a pas que des princes. Vous êtes sur Bide et Musique, un concept, un bide, une musique, tout de suite une petite musique. Adamo, vous permettez, monsieur? Aujourd'hui. Merci Adamo. Avant-hier, nous recevions Pierre, hier c'était Henri, aujourd'hui c'est Noël. Noël, ma mère, bonsoir. Ah non, c'est moi, hein. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Bonsoir, monsieur ma mère. Bonsoir. Vous êtes un de nos plus grands journalistes du monde, et je suis vraiment ravi de vous recevoir. Mais dites-moi, Noël, quand vous offrez un cadeau, est-ce qu'on dit que c'est un cadeau de Noël? Oui. Même en avril? Oui. Ça vous pose pas de problème? Ben non. Sans transition, une autre question. Vous êtes entré en politique depuis peu. Mm-hmm. Est-ce que, quand on vous a élu député, ça vous a rendu joyeux, Noël? On m'a dit que vous aviez deux enfants. Mm-hmm. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes un bon père, Noël? J'espère. Mmh. Oui. Mmh. Et en tant que quelqu'un de la télé, est-ce que vous connaissez les films de Noël, Noël, Noël? Oui, oui, mais j'aime beaucoup les films de René Clément. Noël, vous connaissez ma mère? Non? Doc Gynéco vous a dédié une chanson, est-ce que ça vous a fait plaisir? Non, non, non. Si. Qu'est-ce que... Si. Quoi? Mon père est né là-bas. Ma mère est née là-bas. Dites-moi alors, et pardon de vous poser une question indiscrète, mais quand vous êtes en colère, vous avez plutôt les boules, Noël, ou les glandes, ma mère? Pas de scoop. Eh bien, merci. Merci Noël, ma mère. Demain, je recevrai Jean Réveillon. Bonsoir. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À l'année prochaine, tout de suite, vous permettez, monsieur Adamo. Les défis de Vergéture. Aujourd'hui, Vergéture va plonger dans un verre d'eau. Non, laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici, il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici, eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne, il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir, tous deux. Un trouble... Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 1320 en provenance de Toulon entre en gare. Que des pleurs si chers me déchirent encore.
Rappelez bien plutôt ce cœur qui, tant de fois, m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Une minute d'arrêt. Forcez votre amour à se taire et que tout l'univers reconnaisse sa peine. Correspondance pour Miramas, Arjuron, Agenouille, quai numéro 3. Et les pleurs d'une reine. Je répète. Correspondance pour Miramas, Arjuron, Agenouille, quai numéro 3. Il faut vous séparer. Cruel, est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Votre attention, s'il vous plaît. Le train 3830 ou 3830 en provenance de Le Havre va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure des quais. C'est la première fois. Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton erreur? C'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous, je ne serais plus vivre. Le train 4720 ou 4720 desservira les gares de La Ciotat, Cassis, Aubagne, La Blancarde, Marseille-Saint-Charles, Toulon, Toulouse, Touloum, Avignon, Quimper, Brest, Saint-Malo, Strasbourg, Bordeaux, Biarritz et Berlin. Attention au départ. Je répète. Non, je plaisante. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. Attention, ce train ne respecte pas les accords d'Oslo. Je répète, ce train ne respecte pas les accords d'Oslo. Cette bouche, à mes yeux s'avouant infidèle, m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même. Votre attention, j'ai... s'il vous plaît. Madame Jocelyn est attendue à Vessénichon dans mon lit. Non, je plaisante. Madame Jocelyn est attendue à l'accueil. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce monde attention, s'il vous plaît. On a retrouvé une carte qui dans oui. Un mois, dans le détenteur un de la carte égarée est attendu au guichet numéro 3. Je répète, on a retrouvé une carte qui oui. Le détenteur de la carte égarée est attendu au guichet numéro 3. Oh putain, ils ont retrouvé la carte qui oui. Titus, qu'en pars-tu? Non, c'est parce que j'ai perdu ma carte kiwi et ils l'ont retrouvée. Je vais la chercher. C'est une carte kiwi, on va pas en faire tout un plat. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre près d'une gare.